Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la création d'une piscine en forme libre grâce à la nouvelle fonctionnalité sortie en novembre 2022. Pour commencer, dans le catalogue de bassins, nous faisons un glisser-déposer du bassin libre, puis nous cliquons sur le bouton « Nouveau, modifier la forme ». Ensuite, pour faire une forme libre, vous avez le choix entre deux points de départ. Vous pouvez partir d'un bassin rectangulaire dont vous pouvez modifier les dimensions de base, qui sont par défaut de 8 mètres par 4 mètres, ou de partir d'un dessin à main levée d'une forme libre. Cette fonction permet de faire plus rapidement une forme particulière en créant des segments à main levée. Les fonctionnalités que vous allez voir en suivant sont les mêmes, que vous choisissez de créer votre forme libre à partir d'un rectangle prédéfini ou à main levée. Tout d'abord, afin de modifier les paramètres du bassin, sélectionnez la zone à modifier sur la vue 2D. Vous êtes dans la partie « Édition d'une zone » et les paramètres s'affichent sur votre gauche. Ici, vous pouvez modifier la profondeur à plat, la pente, il faudra ici définir le départ de la pente, puis modifier la profondeur minimum et maximum, modifier la hauteur des marches si vous avez plusieurs zones, libre, les différents points seront donc modifiables indépendamment. Vous avez également la possibilité d'enregistrer votre projet depuis la forme libre, faire un retour en arrière si vous avez besoin de revenir sur votre manipulation. Grâce à la roue crantée, vous pouvez modifier la précision de la grille et importer une photo en arrière-plan. La grille aimantée permet de faire en sorte de positionner les points qui permettent de dessiner votre piscine directement sur le quadrillage. En la désactivant, vous pourrez positionner librement les éléments, sans forcément suivre les lignes du plan. Ensuite, la forme libre se présente de cette façon, afin de pouvoir modifier les paramètres souhaités. Point de contrôle, segment, marche, volet roulant, cotation, faire un retour, j'ai terminé, fermer. Présentation du point de contrôle. Le premier outil est l'outil point de contrôle. Il permet de rajouter des points afin de modifier plus facilement la forme d'un segment. Lorsque vous cliquez sur le point de contrôle, ces paramètres s'affichent sur la gauche. Vous pouvez alors modifier la profondeur du point et choisir le type d'angle, vif, pan cassé ou encore rayon. Présentation du segment. En ce qui concerne les segments, sélectionnez segment dans le menu puis placez-le où vous souhaitez. Il s'intègre directement sur le bassin. Cliquez sur « J'ai terminé » une fois le ou les segments placés. Information importante, les segments doivent toujours être reliés à d'autres segments dans le bassin. Cliquez sur un segment afin de faire apparaître ses paramètres sur la gauche. Trois solutions s'offrent à vous pour modifier la forme du segment : droite, courbe ou arc de cercle. Comme vu en début de vidéo, après avoir posé les segments, la fonction marche, par exemple, vous permettra de faire vos escaliers dans le bassin. La fonctionnalité marche. Cette fonctionnalité permet de rajouter très rapidement des marches en angle. Cliquez sur marche puis sélectionnez la forme de la marche, droite, deux pans ou trois pans. Placez votre souris à l'endroit souhaité. Cliquez simplement afin de valider et de l'intégrer. La fonctionnalité volet roulant. Vous avez également la possibilité d'intégrer un coffre pour le volet roulant. Sélectionnez le bouton « Volet roulant » puis cliquez sur « Immerger » et « Ajouter un coffre ». Passez ensuite votre souris sur la zone où vous souhaitez positionner le mur. Vous pouvez également modifier les propriétés de ce dernier afin de lui donner la dimension souhaitée. En choisissant le volet hors sol, vous pouvez donner le segment de référence « Volet roulant », c'est-à-dire définir de quel côté de votre bassin apparaîtra le volet. Présentation de l'outil cotation. Enfin, vous trouverez un outil cotation. Cliquez simplement sur l'outil et reliez les points de contrôle entre eux afin d'avoir les distances. Information importante, vous ne pouvez pas créer une cotation sans la relier entre les points de contrôle. Pour
fait le tour ensemble de la nouvelle fonctionnalité Forme Libre. À bientôt dans une nouvelle vidéo.